Eliezer House. Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de The Warcraft Adventure. On se retrouve aujourd'hui dans le fief. Enfin, le fief. Tiens, où est le disque? Oh! Oh bah tiens, ça c'est purement de la chance là. Là pour le coup, ça c'est purement de la chance. C'est purement de la chance que j'ai fait une quête là. Alors, quelle quête on pourrait faire? Ah bah on va faire celle-là, les quêtes de Surhamar. Donc on va aller à Surhamar, on va prendre notre TP. Alors j'ai regardé un petit peu les modifications qui étaient à venir, qui sont à venir demain, pour moi. Mais pour vous, c'est déjà passé de 2 jours. Et je dois dire que ces modifications sont plutôt bénéfiques. Alors bien sûr, j'ai regardé pour le prêtre, qui est ma main spé, et pour le mage. Alors pour le mage, ils ont retiré 2 ou 3 petits trucs et ils ont changé quelques petits trucs. Pas trop mal, c'est pas encore ça. Mais c'est pas trop mal. Il y a encore du boulot à faire. Ça, c'est clair. Bon, oui, je suis encore en train de boire. Je me rends compte que si vous m'entendiez boire, vous me considériez comme un gros porc. Parce que je bois tellement bruyamment. Et tellement bruyamment. Que t'es à se demander comment j'ai jamais fait pour m'entendre boire comme ça. Alors. Parce que je suppose qu'on est arrivé. Ah bah non, en fait. Est-ce que j'ai de quoi. Bien sûr que j'ai de quoi faire ça. On va s'en aller faire ça tout de suite même. Bon, je vais pas prendre, honnêtement, je suis là pour 20 minutes. Qu'après je pars en live, probablement. Probablement que je partirai en live jusque minuit, minuit et demi. Ça, je sais pas encore. De toute façon, c'est des lives de 3 heures, hein, donc il n'y a pas de souci à se faire. Mais, comment dire. Ou peut-être de 2 heures, je sais pas, peut-être. J'ai pas encore envisagé comment tout ça allait se faire. Néanmoins. On va déjà terminer cette quête-ci, hein, qui consiste à monter dans le vieux Surhamar. Après quoi, nous irons voir du côté de l'Arquevin. Une petite distribution d'Arquevin avec des citoyens réanimés. Et bah voilà, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal et tout ça va nous prendre déjà un petit moment. Il faut déjà monter jusqu'à cette corniche. Je suis presque sûr. Non, j'allais dire, je suis presque sûr que c'est pas par là que je dois aller, mais si c'est par là que je dois aller. Nous, les Sacres Nuits, devons notre grâce et notre intelligence insurpassable à la noblesse de notre ascendance. Allez, oui. Rendons hommage à nos ancêtres qui reposent à Tel Anor. Why not, j'ai envie de te dire. Voilà. Je veux dire, ça dure tellement longtemps. L'avantage ici, c'est que je suis en groupe. Et donc, du coup, les gens peuvent le faire à ma place aussi. Ils peuvent clean à ma place. Et ça, c'est cool. Voilà, genre là, lui, je lui ramène un mob. Il va le clean pour moi. Enfin, j'espérais. Mais il va pas le faire. Non. Probablement pas. Ah bon, cela étant dit, la mise à jour arrive demain,
Il y a pas mal de nouveautés. Qu'on n'explorera pas forcément, hein. Mais en tout cas, il y a quelques nouveautés. Ça, c'est sûr. Alors... Toi, tu vas crever ! Enflure ! C'est l'enfoiré qui nous a réveillés ce matin. Vraiment, fallait que je soigne ce truc à la gorge, parce qu'à chaque fois que je fais des airs comme ça, j'ai un truc dans la gorge comme ça, comme si ça allait remonter, que j'allais le recracher, tu vois. Alors, comment ça se passe ici? C'est Johnny Cowboy. Oh ouais. Johnny Cowboy. Ici, je prends la monture, ce serait peut-être pas mal, non? Pour me déplacer, surtout. Oh, crève! Ah, j'ai lu, tant que j'y pense... J'interromps Johnny Cowboy parce que on part dans un délire, mais j'ai lu qu'il y avait des modifications au niveau des projectiles des arcanes ou des missiles des arcanes, je crois, quelque chose comme ça. Donc ça c'est plutôt encourageant pour le mage arcane. C'est plutôt encourageant pour le mage arcane. Il y en a 9. Allez, encore une d'activée. Ah bah tu sais quoi? Regarde, je vais faire un mode YOLO. Hop là. Et alors là, je vais faire le gros bâtard, regarde. Oh, YOLO, quitté. Voilà, et là je reviens en mode gros tarba. Je sais même pas ce que j'ai gagné en fait au final. Je sais pas ce que j'ai gagné. Qu'est-ce que j'ai gagné? Ah, 99 or, 99 argent. Bon bah ça nous fait atteindre les 20 000. C'est pas plus mal. Alors je peux tout détruire. Ok. Alors, ensuite, on va aller se téléporter du côté de la terrasse machin, là. Terrasse machin. Voilà, c'est un bon nom, non? Terrasse machin. Je veux dire... attendez, je vais faire un petit... une petite vérification. Ok, nous revoilà. Donc... Bon, j'ai fait 2-3 petites modifications dans l'enregistrement. Normalement, ça devrait être good. Parce qu'il y avait quelques soucis. Ah merde. Oh merde, tu paries que le... Ah putain, le truc s'est pas activé, c'est juste... Telanor. Ah mais je vais remonter en haut, ça. Telanor, c'est celui que je viens d'activer. Bien sûr que c'est celui que je viens d'activer. Trop con, quoi. Donc du coup, je suis obligé d'aller à Pâte, par là. Bah non, en fait. Je peux aller par là. Je peux prendre le portail directement ici. Je suis un peu con, moi, parfois. Ouais, alors. Dommage. Rose, lume, étoile... Les 400 doses. La course tellurique. Ah, oh, ça on aurait pu faire, tiens, pour gagner 5000. Ça aurait été pas mal.
Alors combien on a? On a 28K qui est disponible. Tandis sur mon prêt, j'ai genre je crois 300, 400K qui sont disponibles. Mais heureusement, avec la mise à jour de demain, on va avoir un petit boost. Donc, va falloir que je collecte énormément de ressources de domaine. Parce que je vais en avoir besoin. Parce que on peut en fait augmenter donc par 1000 de ressources de domaine, je crois. On peut augmenter le niveau de connaissance de l'arme. Donc par exemple, simple exemple. Tu fais un reroll. Tu vois. Tu fais un reroll la base. Et là, tu te dis dans ton reroll, j'ai pas envie de me casser le cul à faire la recherche sur mon arme pendant des jours et des jours et des jours. Hein, parce que ça va me prendre une plombe, déjà. 2 jours par tome. Tire, c'est long, quoi. Qu'est-ce que tu fais? T'achètes tout jusqu'au niveau 25. Tu vois, si t'as assez de ressources de domaine, bien sûr. T'achètes tout jusqu'au niveau 25. Tu le donnes à ton reroll. Et ton reroll, dès qu'il va prendre un truc, tu vois, dès qu'il va prendre quelque chose qui augmente sa puissance prodigieuse, et bah boum, il va prendre comme s'il était niveau 25. Et ça va permettre... Putain, mais t'es sérieux, toi, quoi? Notre magie nous cache aux regards indiscrets. T'es sérieux ou quoi, toi, ici? Allez, je peux sortir de là. Mais t'es sérieux, lui? Tranquille, comme ça, il m'aggro. T'sais, il me dit même pas bonjour, ni rien. Même pas au revoir. Non, c'est je t'aggro. Pam, dans ta face, prends ça. Prends un gros fuck dans ta face, tiens. Salutations. Donner du vin de mana. Calteros Maldin. Comment? C'est de l'arc fin. C'est de l'arc fin. C'est de l'arc vin. Prends pour toi, Clotaire. Et va te faire cautériser, tiens. Clotaire, clotériser, tu vois, la blague, elle marchait bien. Non, elle marche pas. Ok, elle marche pas. Ashtoras Denil. Il patrouille déjà dans le secteur. Tenubala. Calteros Maldin. L'avantage, c'est qu'on peut utiliser les sorts de mages ici, tu vois. Parce que ce sont tous des mages. Enfin, t'as des guerriers aussi, mais... Ils sont tous affectés par la magie à un moment ou à un autre. Norbeto Surama. Hop là. Bon. On a fait du bien... à des citoyens. Maintenant, on s'en va ici. Comment puis-je vous aider? Avez-vous aidé ceux qui souffrent? Eh oui. Vous ouvrez enfin les yeux sur notre réalité. Je le vois à votre expression. C'est bien. J'ai besoin de votre aide. Le vin que vous avez si gracieusement distribué aux nécessiteux constituait mes dernières réserves. Si nous ne nous en procurons pas de nouvelles bouteilles rapidement, ces gens risquent de succomber à leur soif et d'aller grossir les rangs des flétris. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour leur éviter ce triste sort le plus longtemps possible. Une dénommée Deline propose un petit service de livraison en gondole. Allez la trouver, présentez-vous comme mon messager et proposez-lui de l'aider à se procurer le prochain chargement. Ça vous va? Prenez contact avec la gondolière. Oh, il y a Syl Green aussi. Enchanté. L'enfant de Verren a disparu. Je crois savoir ce qui s'est passé, mais il me faut une confirmation.
La plupart des gardes ont recours à des messagers pour transmettre des communiqués sensibles. Dans ce domaine, la magie est la chasse gardée des gardes dégradés. Oh, c'est beau ça. Prenez cette lame et surtout méfiez-vous de son tranchant. Utilisez-la pour attaquer les messagers et vous emparer des missives qu'ils transportent. Avec un peu de chance, elles nous diront où trouver la fillette. Nous autres gardes sommes toujours les premiers informés, après tout. Attention à vous. Oh. Oh, un garde Kourou qui a été massacré. Oh là là. Que se passe-t-il? Que fait la police? Mais que fait la police? Tiens, je suis un gentil et je suis généreux. Je te donne 5 doses. Allez, casse-toi maintenant. Ah. Putain, j'ai même pas reçu le buff. Alors je lui donne 5 doses et je reçois pas le buff. Ok, tranquille. Tranquille, t'es un comme ça toi. Ah, bah, la prochaine fois, pourra Gloire aller te faire mettre. Garde. Les étoiles. Alors, moi je suis un mec gentil moi. Voilà, je suis un mec gentil. Je suis un mec gentil, je suis un mec comme ça. Faut pas chercher midi à 14h. Tu vois. Faut pas chercher midi à 14h sur un marin, hein, mon gars. Dis donc, tu te fais exécuter. Bien simple. Hop, merde. Bon, salutations. Je suis gentil. Allez, hop. Casse-toi maintenant. Allez. Ashtoras Denil. Casse-toi. Hop. Je peux vous aider. Je vous dépose quelque part. Portez-vous bien. Je vais montrer mon cachet. Vous êtes la personne que j'attendais. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'un bateau chargé à bloc. Ensuite, je pourrai y aller. D'accord. Le puits de la nuit nous garde. Mettons-nous au travail, voulez-vous? Alors, par les rivières souterraines. J'ai remarqué que la surveillance s'est renforcée ces derniers temps. Il n'est bien sûr pas question de cesser mes livraisons avant tir, mais chacune d'elles devient de plus en plus dangereuse. La garde crépusculaire patrouille le bazar et se montre particulièrement vigilante. Trouvez et tuez ces orbitistes, afin que je puisse livrer les marchandises en toute sécurité. Je vous suis avec le chargement. Oh. 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 23K! Si ça c'est pas beau ça. Je parie que vous pensiez que je n'aurais que du vin à livrer. J'essaye de faire un gloussement, mais je sais pas si ça a marché. Si seulement c'était si simple, des partisans ne seraient pas en train de mourir de soif. Les loyalistes. Si je peux utiliser cette expression, vivent dans l'abondance. Ils obéissent au doigt et à l'œil à la magistrice qui leur accorde tout ce dont ils ont besoin. La pénurie d'arc-vin est un mensonge créé de toutes pièces par la magistrice pour garder son emprise sur nous. Vu leurs réserves, ils ne s'apercevront pas de la disparition de quelques bouteilles. Fouillez la place et rapportez-en autant que vous pourrez en trouver. Récupérez 20 bouteilles d'arc-vin. Ok. Ouais, tu vas mourir. Hop là. Wouh! L'échappée belle celle-là. Par contre. Du-du-du. Dix bouteilles. Donc, on va encore en prendre 7. Quand on en aura 7. Ça fait 6. Pas 7, 10, pardon. Je suis trop con, quoi. Le moment, j'ai l'impression que je ne réfléchis pas. 7. 8. Si je fais ça. Ah, ça marche. Ah, bah voilà. 9. Et 10. Bon, du coup, faut pas que je me fasse baiser par...
Allez, tiens. Je suis gentil. Qu'est-ce qu'il vous fallait ? Encore 5 doses. Regarde comme ça, je fais poum, poum. Et voilà, on sait pas me cramer, on sait pas savoir que c'est moi qui suis passé par là. Woup, woup, on sait pas savoir que c'est moi. Woup, woup, on sait pas savoir que c'est moi. Les étoiles brillent à nouveau. J'ai trouvé un fût de vin. Allez le déposer dans la nacelle. Hop là. Salutations. Alors, bouteille d'arquebin. En avez-vous trouvé suffisamment ? Je veillerai à ce que ceci parvienne à notre ami. Beau travail. Norbetos sur Amar. Norbetos sur Amar. Je sais pas ce que ça veut dire. Norbetos sur Amar. Et c'est ici que je dois tuer des orbitistes. Ah, je dois tuer des mecs ainsi. Ah, mais attends, merde. Oui. Et voilà. Les guldaniétés, ils nous mangeraient. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Lul. 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 Orbitiste de la garde crépusculaire. Votre mort est écrite. Allez, on finit ces quêtes. Et ensuite on finit l'épisode. Bon bah, je me suis fait pourrir comme une merde. Là pour le coup c'est un peu de ma faute. Ouais. J'ai pas été bienveillant. Ça c'est beau par contre. Lorsqu'on pourra avoir le vol, mes amis. Oh là là. On va tellement pouvoir faire des trucs ici. Genre pour les expéditions, déjà il y a une expédition mais qui se déroule juste en face de nous. Et c'est tellement la galère pour monter jusque là. Mais quand je dis tellement la galère, c'est vraiment la galère en fait. Mais Camille est pas, il nous mangera pas eux. Nous ne nous cacherons plus. Allez, tiens, cadeau. Alors, je dois tout aller rendre à ce fameux mec. Mec ou mecton. Comme tu le sens, mon pote. Une illusion. Qu'avez-vous à cacher ? Lul. Comme si moi j'avais des trucs à cacher. Lul. De mec, quoi. Bon, par contre, je crois que... Ah ouais, ça va, j'allais donner mes réserves, mais... Ça va, j'ai encore 100 pour activer le portail, donc ça va. Allez, on finit la quête. Alors... Salutations. Grâce à vous, Deline a pu livrer les marchandises sans encombre. Prenez soin de vous. Nous devons rétablir... Avez-vous réussi ? Beau travail. Je vais les lire de ce parcours. Force et respect. Alors... Nous n'aurons jamais meilleure chance de secourir la fille de Vérène. Beaucoup de gens ces temps-ci. Voici comment nous allons même procéder. Des enfants. Vous allez vous cacher dans les parages. Les putain, ta gueule ! C'est très possible. Je vais envoyer quelqu'un suivre un garde pour voir. Doucement. Il ne faudrait pas en renverser. Alors, vous allez vous cacher dans les parages et attendre le passage d'une geôlière. Chargé de relever l'un de ses collègues.
Vous la reconnaîtrez aisément, à son armure rouge vif. Doucement. Emboîtez-lui le pas. Il ne faudrait pas en renverser. Mais ne la suivez pas de trop près, pour éviter de vous faire repérer. Sachez qu'il sera peut-être nécessaire de la tuer une fois sur place. La fille se nomme Corinne. Bonne chance. Au revoir. Eh bien, on verra ça. Prenez soin de vous, faites bien les geeks, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, un petit commentaire et de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de The Warcraft Adventure. Salut à tous. Hey. Si. Tu pourrais t'abonner à cette chaîne. Tu sais, il y a un bouton juste pour cliquer là. Là, en dessous. Oui, voilà, t'y es presque. Voilà, clique et tu fais s'abonner. Voilà, ça c'est bien.